Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Info Astuces Abidjan, de retour sur la chaîne pour vous présenter une nouvelle astuce. Aujourd'hui, nous allons voir comment convertir vos documents Word en PDF ou PDF en Word assez facilement sur votre téléphone mobile. Voilà, ne vous inquiétez pas, pour convertir vos documents, vous n'avez pas forcément besoin d'un ordinateur et c'est vraiment facile. Le passage pour les abonnés, pour les nouveaux abonnés, merci d'activer la clochette. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton abonner juste en bas pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Voilà, pour convertir vos documents en Word, voilà, de Word en PDF ou en PDF en Word, voilà, c'est tout simple. Vous allez tout simplement venir sur votre navigateur. Voilà, lorsque vous ouvrez votre navigateur, dans la barre de recherche, juste en haut, vous allez effacer et là vous allez mettre Smile PDF. Voilà, comme c'est marqué Smile PDF, et vous allez lancer la recherche. Voilà, et voici le lien qui s'est affiché ici, comme on peut le voir. Hop. Smile PDF. Voilà, lorsque vous allez mettre ça, vous allez appuyer sur le premier lien qui s'affiche juste en haut. Voilà. Et là, lorsque vous allez appuyer, on voit qu'on a plusieurs options qui se présentent à nous. Vous pouvez compresser un PDF. Vous avez un PDF qui est assez lourd et vous voulez le compresser, soit par exemple, pour l'envoyer par mail ou bien pour l'envoyer à quelqu'un. Donc vous avez cette possibilité-là de compresser le PDF. Convertissez PDF, convertissez des fichiers Word, PowerPoint et Excel depuis et en PDF. Voilà, ça c'est pour convertir un fichier Word en PDF et tout. Et vous avez la possibilité aussi de convertir un fichier PowerPoint en PDF directement grâce à ce site. Voilà, convertissez des présentations PowerPoint en documents PDF. Voilà, vous pouvez convertir aussi des documents PDF en PowerPoint aussi. Voilà, vous pouvez convertir des images en PDF et aussi des PDF en images. Voilà, vous avez la possibilité aussi de convertir des fichiers Excel en PDF et des PDF en Excel. Voilà, il y a tellement de choix qui s'offrent à vous. Vous pouvez aussi modifier un PDF. Voilà, on vous envoie un PDF, vous pouvez modifier aussi le PDF directement dans le dossier. Lecteur PDF, afficher, imprimer, partager des PDF en ligne. Voilà, numéroter les pages. Voilà, vous avez un document PDF que vous voulez numéroter les pages. Voilà, ou entrer directement le document PDF ici et le site va numéroter les pages automatiquement pour vous. Vous pouvez supprimer des pages dans votre PDF aussi. Rotation des PDF, Word en PDF, PDF en Word. Voilà, il y a tellement, tellement de choix. Déverrouiller un PDF. On vous envoie un PDF qui est verrouillé grâce à un code. Vous pouvez le déverrouiller ici. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette application va vous permettre vraiment de vraiment faire bien votre travail. Voilà. Donc, supposons que je viens par exemple il y a un document Word, par exemple, je sais pas s'il y a un document Word dans mon téléphone que je veux convertir en PDF. Il suffit tout simplement d'appuyer sur Word ici et là on va me demander de choisir mon fichier Word. J'appuie sur choisir le fichier. Il y a un de mes fichiers, je sais pas trop si j'ai un document Word dans mon téléphone, mais ben, je sais pas. Je viens SD, voilà. Je vais voir dans le document. Je sais pas trop si j'ai un fichier Word dans mon téléphone, mais bon, je suppose que vous avez des fichiers Word dans votre téléphone, voilà, que vous allez pouvoir faire. Je sais pas trop si j'ai un fichier Word dans mon téléphone, My Document. Voilà. Par exemple, on essaie ici. Nouvelle facture. Par exemple, ce fichier-là, par exemple, je veux le convertir en PDF. Donc, j'appuie sur la facture. Oh. J'appuie sur la facture. Et là, on voit conversion en cours. On voit conversion en cours. Voilà, ça va convertir le document, le fichier Word en PDF. Voilà, on attend un peu, c'est en train de faire la conversion. Voilà, comme on peut le voir, ça a bien converti le fichier Word en PDF. On fait télécharger le fichier. Et voilà, tout simplement. Voilà, c'est bien en PDF.
Voilà, impossible de modifier. C'est bien en PDF. Le Word, il passe en PDF automatiquement. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment convertir un fichier rapidement. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, abonner et liker la vidéo quand c'est ça qui nous encourage. Et portez-vous bien.